Salut à tous. Aujourd'hui, un nouveau It's a Wonderful World, une partie solo. J'ai envie de continuer ce jeu en solo. Donc, je vais aujourd'hui vous proposer le scénario numéro 2 qui s'appelle Un monde meilleur. Voilà, donc je suis l'empereur et je parle et je dis que où que porte mon regard, je ne vois que des horizons couverts d'immondices et des nécessiteux maladifs. Comment pourrait-il être inspiré alors que le ciel est couvert de vapeurs acides et que même les océans charrient des vagues de déchets? C'est indigne pour le respect de ma personne, ô grand vizir. Nettoyez-moi tout ça immédiatement. Donc voilà, c'est un scénario sympa. Hein, on va nettoyer la planète. Je dois mettre 4 cartes dans la zone de jeu que je dois absolument construire, sinon le scénario est perdu, quelles que soient mes valeurs. De points à la fin, c'est une usine de recyclage, une éolienne, un vaccin universel et l'aquaculture. Et j'ai une médaille de bronze pour 70 PV, 95 médailles d'argent et 115, j'aurais une médaille d'or, ce qui serait vraiment miraculeux. Donc la magie fait que j'ai commencé à mettre en place forcément le jeu, pour vous épargner ça. J'ai cherché les 4 cartes dans tout ce gros tas de cartes, les 4 cartes qu'il faut construire, l'éolienne. L'usine universelle, l'usine de recyclage, le vaccin universel et l'aquaculture. Alors, je commence au niveau de mon empire avec une face B, donc une générique. Hein, tous les empires produisent pareil, donc deux matériaux, une énergie et une science. Voilà, alors on voit que j'ai deux cartes qui demandent beaucoup de science, un petit peu d'or, voilà, à faire. Donc, on dirait qu'on va aller vers une stratégie de production de science sur ce scénario je ne connais pas trop comment faire beaucoup de points avec les cartes science. Autant les cartes exploration bleue sont assez faciles. Bon, c'est peut-être les mêmes combos dans les cartes science. À voir, à voir. Donc en solo, je rappelle, quand même, c'est un jeu de draft hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas It's a Wonderful World. Hein. On doit choisir des cartes parmi celles qu'on va piocher. On peut soit les recycler pour gagner immédiatement des matériaux, soit les mettre en phase de production devant nous, en planification de production. Et alors, on veut les finir en fait en complétant les ressources qui sont demandées ici, avec en fin de manche une phase de production où nos usines, notre empire et les bâtiments qu'on aura construits vont produire, et la production va de gauche à droite, donc matériaux, énergie, science, or et sciences découvertes. Enfin, sciences découvertes. Donc en solo, on a 4 manches, 4 phases de production et 4 manches de 10 cartes qui sont chacun séparés en 5 cartes. Donc j'aurai une manche de un tour de jeu de 5 cartes, un tour de jeu de 5 cartes que je choisis, est-ce que je les garde ou est-ce que je les recycle pour les petits pions, et à la fin de ces deux tours de 5 cartes, j'aurai une phase de production. Voilà, donc j'essaye de piocher mes cartes un peu n'importe où, même si j'essaie de vraiment bien mélanger le jeu, un peu n'importe où dans le. Vous voyez, il y a énormément de cartes. Donc forcément chaque partie va être différente par rapport à ce qu'on tombe comme carte. Donc il y a une phase d'opportunisme vraiment et d'adaptation pas négligeable dans le jeu, même si certaines cartes, comme l'éolienne par exemple, étant 7 exemplaires. Voilà, elles sont pas toutes uniques. Les cartes découvertes bleues découvertes et sciences, elles sont plutôt uniques. En général, oui, elles sont uniques d'ailleurs. Et donc quand on les voit passer, il ne faut pas les laisser passer. Voilà. Quand on les a dans la main, c'est toujours le choix, est-ce qu'on les recycle ou est-ce qu'on les planifie? Donc voilà, donc je prépare mes 4 manches. Je pioche au hasard, 5 cartes à chaque fois. 3, 4, 5. Voilà, troisième manche. Et puis pour la dernière manche, allez, un peu de chance avec moi. Je pioche ici, hop, 5 cartes. Voilà, 5 cartes ici, je sais, hein, j'ai vraiment envie d'avoir des bonnes cartes. J'espère que la chance sera avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, en solo, on peut faire tourner sa main. C'est une des particularités du mode solo, c'est que s'il y a des cartes qui ne nous plaisent pas, on peut en défausser deux. On en pioche 5 autres. Et parmi les 5, on en garde une.
Donc pour deux qui ne nous plaisent pas, on peut espérer en avoir une qui nous plaise. Donc voilà. Donc je refais maintenant le tas de la pioche. Voilà, ici. Je fais deux tas parce que comme ils sont soulevés, voilà, oh, ça glisse. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Donc, manche numéro 1 et draft numéro 1, je pioche 5 cartes. Alors, comme j'ai fait une campagne, il y a des cartes campagne qui sont dans le jeu, là, donc des fois je les défausserai et puis je repiocherai de nouvelles, hein. C'est pas que je triche, mais voilà, si vous n'avez pas à les voir, je ne joue pas avec. Alors, phase ici, donc j'ai une téléportation, une baraque à deux places qui est une carte spéciale K. Kickstarter que j'ai eu, ça c'est si je peux la jouer. Voilà, j'ai tout ça. Donc, alors au niveau recyclage, déjà on voit que je ne recycle aucun matériau. J'ai aucun matériau, j'ai que de la science, donc ça commence très mal. J'ai une téléportation quand même qui me fait gagner 8 points, qui est pas mal. Un centre de recherche qui me fait la production de science que je vais avoir besoin, donc celle-ci je la planifie, ça c'est sûr. Je vais vous dire direct, ces deux-là qui ne plaisent pas, je les défausse. Et j'en pioche 5 autres. Voilà, j'aurais bien voulu construire mon éolienne avant, mais bon, j'en construis 5 autres pour mon usine de recyclage. Voilà, et parmi celles-ci, donc celle-ci, c'est une campagne, vous n'avez pas à la voir, c'est dommage, elle me plaisait bien. Voilà. Donc parmi ces 5, il faut celle-ci aussi. Allez hop, ça m'en fout. Parmi celles-ci, il faut que j'en choisisse une. Je vais choisir la méga foreuse. Pas très compliqué. Je vais la défausser. Je vais la défausser pour la ressource. Voilà. Et donc avec cette carte-là, je vais gagner ce petit symbole qui est là, là. Rappel, quand on défausse, on la recycle et on gagne la ressource indiquée ici, qui est donc un matériau que je dois placer immédiatement quelque part. Alors, j'ai envie de le placer sur mon usine de recyclage, même si c'est pas terrible, terrible. Et là, il me reste deux cartes science. Alors, j'aurai encore ces cinq cartes-là avant la phase de production. J'espère pouvoir finir mon usine de recyclage, quand même, qui permettra de produire deux matériaux à la phase de production, plus mon empire qu'on produit deux de base. Donc, ça fait quatre. Voilà, donc je sais, potentiellement, je vais avoir 4 matériaux. Donc ici, ça en demande 2, ici 1, ça fait 3, et ici, en 3, je ne pense pas arriver à le finir, mais j'espère finir ces deux-là. Donc, voilà, ça serait bien que je finisse le centre de recherche, mais il ne faut pas trop y compter, il faut pas trop y compter dessus. Alors, est-ce que je fais un sonar ou une téléportation qui me demande une tonne de science? C'est un peu tout. Alors je les défausse. J'en prends 5 autres. 3, 4 et 5. Alors qu'est-ce que j'ai? Décidément, il y a quand même beaucoup de cartes qui ont été rajoutées hein, dans la campagne. Que je tombe souvent dessus. On a commencé la campagne numéro 2 aussi, voilà, qui est plusieurs à Luxure, un truc comme ça, là. Alors parmi ces 5-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, alors celle-ci, je vais choisir la technologie inconnue. Voilà, la technologie inconnue, j'ai bien fait de tomber dessus, je la veux, elle me permet d'avoir 3 points, elle permettra en fin de partie d'avoir 3 points par carte science produite. Et je la planifie direct. 5 nouvelles cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore ces deux cartes-là qui sont de la campagne. Il y en a une cinquantaine, je crois, hein, qui sont rajoutées. Ouais, il y en a celle-ci aussi, c'est la campagne, il me semble. Ouais, bah oui, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Hein. Décidément, voilà. Carte de base, un brise-glace, une transmutation, complexe industriel, un zeppelin et un petit congrès mondial. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? J'ai encore pas de matériaux, c'est pas possible. Je suis obligé de faire ça. Alors, la transmutation. Elle produit de l'or, c'est pas mal. Oh, celui-là est trop dur à faire, 3 points par 4 monuments, en plus c'est pas du tout dans ma stratégie, je vais pas le faire. Le brise-glace, il est tentant, mais non plus, donc je vais défausser ces deux-là.
Comme ça, j'en pioche 5 autres. Parmi ces 5, il y a intérêt d'avoir un matériau à recycler. Alors, celle-ci, c'est une extension, vous ne pouvez pas la voir. Mais c'est pas grave. Enfin, le jardin des éphémérides. Des hespérides. Des hespérides. Bon, pas mal, celle-ci, j'aurais bien pu. Non. Je vais prendre le porte-avions. Parmi ces 5, je la défausse. Ok, et je gagne. Matériau. Tac, je finis au moins mon usine de recyclage. Voilà, je la finis, je la pose direct dans mon empire. Ça, c'est fait. Ensuite, je pourrais finir le zeppelin parce que je vais produire une énergie ici. L'éolienne, je vais la finir. Produire une énergie, non, je vais pas finir ça. Il faudrait, voilà, oh là. Peut-être un complexe industriel. Je vais prendre encore une usine qui se ressemble un peu. Produire un matériau, un or, c'est quand même pas mal. Et ces deux-là, ils me plaisent pas. Hein. Même recyclage, je recycle de l'or et de la science, ça m'intéresse pas du tout. Le zeppelin, il peut être sympa à planifier, après il m'en restera une. Je peux défausser pour mettre un or ici. Ça m'avancera mon aquaculture, mais bon. Allez, je les planifie. Je fais un peu n'importe quoi. Je me retrouve avec plein de cartes à construire, je suis au premier tour. C'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Donc maintenant, la première manche, premier tour est fini. Donc on passe à la phase de production. Je produis 4 matériaux. Donc ces 4 matériaux, j'en place 3 ici. Déjà. J'en place 3 ici. Et le quatrième, je vais le placer sur... Est-ce que je le place sur mon complexe industriel ou l'éolienne? L'éolienne permettra de construire ça. Ça peut être pas mal. Que l'énergie, c'est utile l'énergie. Ok. Phase de production d'énergie, mon empire en produit 1. Donc je finis mon centre de recherche. Je ne peux même pas chercher le petit cube, c'est fatigant. J'ai pas de bonus. Voilà, je produirai 3. Ensuite, on passe à la phase de production de science. Donc les verres, j'en produis 3. Alors je pourrais direct finir mon vaccin universel, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai besoin, c'est de la production. Donc, je vais aller sur la transmutation, qui me permet, j'ai pas d'or, je vais finir, qui me permettra de produire 3 d'or et de gagner en plus un cristallium comme bonus de construction. De l'or, je n'en produis pas, et de la découverte, je n'en produis pas. Phase 2, je prends mes 5 cartes et je regarde ce que j'ai. Alors, je regarde ce que j'ai. Ok, j'ai une tour géante qui demande beaucoup d'or, mais c'est 10 points. Centre de propagande qui me demande beaucoup d'or et qui me fait une production d'or par rapport au monument que j'ai construit. Donc un sous-marin qui produit de la science, une méga fourreuse et un zeppelin qui me produit de la science. Je sais pas si c'est très bien mélangé parce que là franchement j'ai des productions de science qui sont collées tous ensemble, ça ne va pas du tout. Alors, il faudrait quelque chose qui me produise de la science, quoi. Là, j'ai rien qui produit de la science. Rien du tout. Alors, les cartes science, pour produire de la science, je sais pas ce qu'elles demandent, je sais pas ce que je peux préparer. Mes 4 matériaux. Je produirai 4 matériaux minimum. Minimum, je vais faire ça et ça. J'aurai 2 d'énergie, je vais produire une science, mais je ne saurais même pas où la poser. Là, je vais produire 3 d'or. Hein. 3 d'or, donc à chaque tour, ça peut être sympa. Ma tour géante, je vais la prendre. À un moment donné, j'aurai pas besoin d'or. Du moins pour faire mon objectif, donc il faudra bien que je l'utilise quelque part. Faudra bien, donc il me faut une carte avec de l'or. J'ai un centre de propagande qui me permet encore de produire plus d'or, mais par contre,
pas de points, m'intéresse pas trop. Un sous-marin, zeppelin, j'en ai déjà un, zeppelin. Je produis pas tant d'énergie que ça, j'y arriverai pas à faire ça. Je vais les défausser. Voilà, j'en pioche 5 autres. Allez, donne-moi des trucs qui produisent de la science. Production de science, production de science. Production de science. Alors, ces trois-là, carrément, ils viennent de la campagne. Il y en a beaucoup, hein. Celle-ci aussi, c'est incroyable. Alors celle-ci non, donc ça m'en fait 3, il m'en manque encore 2. Allez, je vais aller là. Voilà. Donc, parmi les 5, j'ai trouvé un centre de recherche. Voilà. Centre de recherche, ça produit de la science. Donc le centre de recherche, il me demande des matériaux et de l'énergie. J'y arriverai. J'y arriverai. Moi, ces deux-là. Pareil, elle me tente pas, mais je les défausse. Je trouvais mieux. Même si c'est une, je préfère en avoir une bien que deux qui ne me vont pas, quoi. Oh, le centre de la Terre, 15 points, pas mal. Un satellite. Un satellite. Un centre que. Non, ça, vous n'avez pas le droit. Centre commercial, vous n'avez pas le droit. Voilà. Une usine de recyclage, encore. Qui me permettrait de produire deux matériaux. Il me reste encore 5 cartes. Là, il faut que j'en choisisse une. Hein. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Eh ben, je vais choisir le sort en usine de recyclage. Parce que on est dans le scénario où il faut nettoyer la Terre, un monde meilleur. Donc, une usine de recyclage, c'est parfait. C'est thématique. Voilà, je la mets là. Il me reste 5 autres. Alors. Ok, et non, ok. Alors, deux autres. Ok, les forces secrètes, non plus. Ok, une centrale nucléaire et l'Atlantide. L'Atlantide, qui demande énormément d'exploration, qui me met 2 points par jeton militaire. Alors les jetons, il faut que je produise au moins 5. 5 pour récupérer le jeton ici, financier ou militaire. Voilà, les petits bonus ici de production. Donc, quand on est en solo, il faut produire à fond pour gagner. Alors, sur ces 5 là, que vais-je garder? Que vais-je faire? Centrale nucléaire. Division de char. Bon là, je produirai un bleu. Complexe industriel, une énergie ici, deux énergies. Ah, mes deux énergies ici vont être faites. Je ne vais pas la faire. Ok, il me faut des matériaux à fond. 4. 4, 5, 6. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Bah. Complexe industriel, j'en ai déjà un truc comme ça. Ces deux-là, je les défausse. Et je vais chercher parmi les 5 qui me convient. Allez, j'ai encore une chance parce que celle-ci, c'est la campagne. Voilà. Oh là là, ça pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Énergie, énergie, or. Ok, bah, je trace le centre de recherche encore. Mais je pense que je vais pas le produire. Centre de recherche et la centrale nucléaire, ben je défausse. Et je veux 5 cartes. Alors celle-ci, c'est campagne à droite. Allez voir, je n'ai encore pas trouvé. Voilà. Non. Non, décidément, je n'ai rien qui va. Je n'ai rien qui va, j'ai pas de chance. Je cherchais un matériau, en fait, pour faire mon usine de recyclage. Pour pouvoir faire ces deux bâtiments-là. Et après, rentrer dans la phase, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas, et Bon, je vais garder l'agence d'espionnage. Que je vais planifier
que je vais planifier. Au moins, c'est une catastrophe ce tour, mais c'est pas grave, hein. Je fais ces deux-là, et je vais en reprendre 5, je vais absolument finir mon truc. Voilà, donc parmi les 5, donc je ne regarde même pas, j'ai un sous-marin, ok, qui a un matériau, je le choisis, les 5 autres, les défausses. Où est-ce qu'il est passé mon matériau? Je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Oui, bah oui, j'ai donné ma division de char, mais non. Centre d'espionnage que je mets avec l'autre pour défausser mes deux. Ah non. Voilà, je garde mon matériau, je redraft, je rechoisis un matériau, j'en ai deux, je les jette, et je prends deux matériaux. Voilà. Et je finis mon usine de recyclage. Alors c'est peut-être pas, hein, non, ça fond dans les matériaux. C'est pas le plus intelligent, je sais pas, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc manche 2, on était à manche 2 fini. Phase de production, je produis 6 matériaux, donc je gagne le jeton financier. Voilà, et je produis 6. Alors avec ces 6, vous allez voir qu'il va m'en manquer un. Il va m'en manquer un encore. 2, 4, 6. Ok, j'ai les 6. Il va manquer une énergie. Mais c'est pas grave. Il va manquer l'énergie, mais c'est pas grave. J'en mets 3 ici, j'en mets une ici, et 2 là. Voilà. Mon éolien est fini. Donc je produirai une énergie de plus. Mon centre de recherche n'est pas fini, mais bientôt, parce qu'on est en phase de production d'énergie, j'en produis 2. Une ici et une là. Donc mon centre de recherche est fini. Laborieux, mais j'y suis arrivé. Ça fait le deuxième quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Juste le complexe. Bon, je loupe un or. C'est dommage, hein. J'aurais pu finir. Je vais même pas regarder ma transmutation pour essayer de la finir. Pardon. Donc, production de science, j'en produis 5. Je peux choisir un jeton financier ou militaire. Est-ce que j'ai eu aucun bonus, hein. Eh bien, je vais prendre un jeton militaire, histoire de me diversifier, et je produis 5. 3. 3, 4, 5. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Non, je ne vais pas prendre un jeton militaire, je vais prendre un jeton financier, parce que je viens de voir ce bonus d'aquaculture, qui me fera 2 points par jeton financier. J'en ai 5. J'en ai 5. Bah, c'est égal, de toute façon. Bon, l'aquaculture, il faut absolument la finir. Le vaccin aussi. Donc, je vais mettre 4 ici. Et un sur le vaccin. Ça, c'est obligatoire. Et puis, phase d'or, je ne produis rien. Phase de découverte, je ne produis rien. Et ben, c'est pas. Je la sens pas super bien partie. Donc, manche numéro 3, avant-dernière manche. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un musée, un réseau de transport, ça, c'est la campagne, un train magnétique, du clonage humain et une éolienne. Il faut que je fasse des points, faut que je fasse des points, mais à 2 points, c'est pas du tout ma stratégie. 1 point, 2 points, ces cartes ne rapportent pas de points. Alors, si j'arrive à faire celle-ci, ça fera 3 points par carte science que j'aurai construite. Donc, par exemple, celle-ci, le clonage humain qui ne paye pas de mine, en fait, elle me ferait déjà 3 points. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, je vais le prendre. Je vais prendre le clonage humain, ça c'est sûr. Un réseau de transport, une éolienne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un réseau de transport, c'est 1 point par carte. Militaire ou char, j'en ai aucune, ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Un train magnétique, 2 points, il me rapportera une tonne d'or, genre what mean or, parce que un or par usine, j'ai fait que des usines, quoi. Ouais, bah, et non, pour un scénario sur l'environnement, je suis pas très très bien parti. Donc, que vais-je faire? Déjà, je vais produire 6 matériaux, il faut que je les pose, les matériaux, quand même.
faut que je les pose. Il faut que je les pose. Il me faudrait de l'or en fait. Je vais recycler le train magnétique pour un or. Et cet or, je vais le mettre sur transmutation. Il faut que je la finisse. Qui permettra de produire 3 ors. Je ferai 2 et 1 ici, ça ferait pas mal. 3 ors, et le tour d'après, je pourrais faire 3 ors ici. Donc, minimum. Mon musée ne m'intéresse pas, et mon réseau de transport ne m'intéresse pas non plus. Je les défausse. J'en pioche 5 nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, celui-là, celui-là, celui-là. Ok, j'en ai qu'une. Ok. Waouh, un super soldat. Alors c'est le même truc, ça me fait un point bonus par jeton militaire, mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que j'en ai déjà un bonus. Un super soldat, une ville souterraine, un centre de propagande, une usine de recyclage encore. J'ai rien qui fait des points, quoi. J'ai rien qui combote, qui fait des points. Une ville souterraine, ça me fait 3 points. Ça me fera 3 points. Il demande beaucoup de matériaux. C'est pas extraordinaire. Un navire de. Ça, c'est une carte de la campagne aussi. Bon. Ça change pas énormément le gameplay. Hein. Il y en a qui sont des trucs nouveaux de production, mais celle-ci, non. Si, bah, si elle produit un jeton. Hein. Si elle produit un jeton financier, un jeton militaire, oui, au niveau prod. Je sais pas quoi choisir. Vraiment, vraiment, j'ai rien de bien. Un matériau. Choisir un matériau. Et puis je la défausse pour le matériau que je mets sur mon complexe industriel que je finis. Ça me permettra de réfléchir. Parce que maintenant, je produis 7 matériaux. Donc, mon éolienne, bah, je la pose. Hein, au moins, ça m'en fait déjà deux d'utiliser. Allez, c'est les 5 suivantes. Alors, greffon bionique. Ça et ça, non. Campagne. Hop. Ok, un barrage géant. Une ville casino. Donc. Faut que j'arrête avec les usines, mais j'arrive pas à booster ma production de science. Enfin, booster, j'en ai déjà 5, hein, c'est déjà pas mal. Hein. J'en ai déjà 5, c'est pas mal, mais bon, il me reste 2 phases de production, ce qui me fait 10. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Autant dire que presque mes cartes science sont toutes finies. Mes cartes sciences sont toutes finies, donc pourrais-je me prendre d'en refaire encore une autre. Bon, allez, viens, tu pourras. Production d'or, a priori je vais en produire. Ah bah tiens, j'ai quoi? J'ai une ville casino. Bon, je vais la défausser. Direct. Je pense à ça. Se concentrer pour faire ma transmutation. Voilà, je la finis et je produirai 4 d'or. Ça c'est fort, 4 d'or, 2 ici que je poserai. Après, si je peux pas poser l'or, je peux toujours les mettre dans mon empire, et quand j'ai 5 ressources qui sont collectées là, je peux les transformer en un cristallium. Et un cristallium, il m'en faut un pour faire la technologie inconnue, qui me permettra de booster mes cartes science. Donc il faut absolument un cristallium. Je vois que aucune. Ah bah, je suis bête, transmutation. J'avais pas vu, hein. Je gagne un cristallium en bonus. Oula, bah voilà, ça me fait un problème en moins. Je la mets directement ici. Mon complexe Indus, j'ai gagné un jeton financier. Est-ce que je l'ai pris? Je sais plus. Je pense pas. Non. Si, ça devait être autour d'après, puis si je l'ai pas pris, c'est de ma faute. Donc,
Donc il me reste, restons concentrés, ces 5 cartes, une base militaire. Voilà. Est-ce que je produis ici? Barrage géant pour produire un pont d'énergie. Bon, je vais produire 1, 2, 4, 6, 7 matériaux. Faut que je les pose. Ça serait bête, quoi. Ça serait totalement bête. 7 matériaux. Je pourrais les poser là. Je produis combien d'énergie? Je produis combien d'énergie? 2 de base, 2. L'éolienne, ça me fera 3. Ok, je finirai mon zeppelin de la base militaire. Et alors cela, ben cela me plaise pas. Voilà, parce que c'est des usines, des machins. Je vais les défausser et je reprends 50. Allez, des bonnes cartes, j'en ai marre. Tiens. Piqué au centre. 1, 2, 3, 4, 5. Elle aime bien le tombeau. Celle-ci, campagne. Celle-ci, campagne. Incroyable, il y en a beaucoup quand même. Et un super calculateur. Il faut que j'en choisisse une. Calmons-nous. Calmons-nous. Tombeau d'Alexandre. Moi j'adore les cartes exploration. J'aime bien l'histoire. Je sais pas, tombeau d'Alexandre. Un peu moins sensible aux cartes sciences. La grève bionique, elle est sympa aussi. Là, hein. Au niveau des artworks. C'est sympa, quoi, culture aussi, hein, voilà. Bref, alors, l'université. Des points, des points, des points. Il faut des points. Super calculator. Cette carte aux sciences. Autant de l'autoscience que de militaire, une plateforme pétrolière, un monument national. Bon. Je peux produire pas mal d'or, mais bon, là j'ai besoin pour la tour géante, il me faut, je vais la mettre là, parce que sinon je vais l'oublier. Je vais prendre le supercalculateur sans conviction, je la pose et je la choisis. Voilà, fin de la phase de draft numéro 3, phase de production. Alors, matériaux, 7, je prends direct un jeton financier, 7, alors, boum, 7. Quel coup de main. 7, que vais-je faire? Que vais-je faire parmi les 7? Ça va être facile, hein, parce que 2, je produis une éolienne en plus. 2 sur ma tour géante. Et puis 3 sur ma base militaire. Voilà, phase de production d'énergie, j'en produis 3. Donc comme prévu, je finis mon zeppelin, je finis ma base militaire. Voilà, base militaire, il y a des bonus, je gagne un jeton militaire, justement. Ok, et le zeppelin, je n'ai pas de bonus. Je produirai une découverte, une exploration, wouhou! Ensuite, phase prod, combien j'en avais? Ouais, non, j'ai pas de bonus. Phase prod science. 2, 5, 6, 6, je choisis ici le jeton financier. Et j'ai 6. Alors, 2, 3, 6, 6. 6. Alors, 6. Vais-je faire le clonage humain? Le greffon bionique? Technologie. Ça va me produire beaucoup d'or, ça. 3. 3 or. Ouais. Si je fais celle-ci, je produirai 5 or et donc du coup j'aurai un jeton financier en plus. Et il me reste qu'un tour de production, donc ça me fait potentiellement 2 points en plus. Calculer comme ça aussi, plus que ça par exemple, qui me fera produire 2 matériaux, super, je vais pouvoir construire des usines, mais je ne veux plus construire d'usines, moi. Je veux faire des points de victoire. Donc j'en mets 2 ici. Et puis j'en mets 4
Où est-ce que je me débarrasse tout de suite du vaccin universel qu'il faut que je fasse de toute façon, c'est une condition de victoire. Je me débarrasse du vaccin universel, c'est fait. Je pose là ou là. Voilà. Ensuite, phase de production de d'or. J'en produis 4. Malheureusement. Pas de jetons. Bah, aquaculture aussi, je vais finir. Et un petit clonage humain. Il m'en reste un. Il m'en reste un que je mets sur ma tour géante. Voilà. Clonage humain fini. Clonage humain, je récupère un jeton financier. Et l'aquaculture, pareil, je récupère un jeton financier. Je vais me faire pas mal de points, jeton financier. Là. 2 points par jeton, ça fait déjà 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 points avec les jetons financiers. C'est pas mal, pas mal. Alors, phase de production, découverte. Eh ben, j'en produis un. C'est fort, je suis pas opposé, je le pose dans mon empire. Aïe, phase ultime, phase finale. Je sens que je vais faire un score, mais minable déchet, minable. Alors, ces deux-là sont en campagne. Ok. Alors, j'ai quoi? Une place financière, anamorphe, cité d'or, l'île Tavalan. L'île d'Avalon. Alors, comment je fais des points là-dedans? Je fais des points avec la science. Hein. Parce que celle-ci, si j'arrive à la faire, ça me fera 3 points par carte science. Donc celle-ci, ça va me redemander de la science. Le centre de recherche, je le refais. Faut que je produise à fond. Place financière, je m'en fous. Cité d'or, je m'en fous. Je m'en fous. Pas du tout dans ma stratégie. J'en pioche 5 autres. 3, 4, 5. Et j'en choisis une. Alors celle-ci. Non. Ok. Alors celle-ci, c'est les 1. Faut pas que je confonde. Parmi les 5. Alors ça, non plus. Oh là. Non plus. J'ai pas envie de les trier, hein. Je suis désolé. Hein. Mais bon, je préfère faire comme ça. Base militaire. Alors, un générateur quantique. Eh ben, c'est super. C'est super. Même si je défausse, ça me donne un matériau. Je m'en fous, j'en produis plein. Ici, une énergie, je m'en fous, j'en produis plein. Une découverte. Il n'y a rien qui me plaît. Il n'y a rien qui me plaît. Combien je produis? 2, 4, 6, 7. 7, 3. 3. Et 3. Qui feront 6. Donc je choisis la base militaire et je la planifie. Bon, il me reste encore 5 autres cartes. Et l'île d'Avalon, qu'est-ce que j'en fais? Choix de fausse. Pour une science. C'est toujours ça de prix, moi je vous le dis. Que je mets là. Voilà, 5 derniers. Alors, non. Et ok, trésor des Templiers, un zeppelin, neurosciences, société secrète et un sous-marin. Alors la carte neuroscience, elle me produit autant de sciences que de cartes sciences que j'ai dans mon empire. Donc là, actuellement, j'en ai 1, 2, 3, 4, donc ça me ferait 4 sciences en plus à produire, ce qui serait énorme, mais faut que je la construise avant la production de sciences. Ce qui n'est pas possible vu mon état. Il m'en faut 3. J'ai aucun cristallium en bonus. Donc je ne peux rien faire avec celle-ci. J'ai pas super bien joué, je trouve, hein, parce que je suis un peu bloqué. Alors, matériaux, j'en produis 7. Ok, celle-ci, je vais finir. Donc, je vais faire 3 sciences en plus. 3, 4, 5. 5 et 4, ça fera 9.
9. Ok. Je pourrais faire le greffon, peut-être celle-ci et celle-ci. Le supercalculateur, j'y arriverai pas. Ça va me manquer. Ça va me manquer. 5, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, mieux, je pourrais en produire 9. Je vais les défausser. Et j'espère en avoir 5. Parmi ces 5, une très belle. Oh, j'ai le voyage temporel, une tuerie. Il manque 3 cristallons, 15 points. Celle-ci, c'est une campagne. J'aimerais en piocher une autre. Celle-ci aussi. Allez, allez. Mon analyse paralysis, je l'aime bien. 6 points. Carte science, ça demande un peu de tout. Ah, celle-ci, je vais la prendre. En plus, elle me. Ouais. Elle est forte. Hein. En plus, si j'arrive à la construire, j'ai 3 cristalliums en bonus. C'est. Voilà. Donc, ceux-là, bah, les 4, je les défausse. C'est celle-ci que je choisis. Bien sûr. Je réfléchis même pas à comment je vais la faire, quoi, aux caisses. Je la prends. Je la prends et je la planifie. Il me faudra un bleu, une couleur jet, l'or, j'en produis, ça suffit. 2 ici, 1, c'est bon. 5, 6, et un 7, c'est nickel. Nickel, parfait. Alors, ceux-là maintenant, ceux-là, neurosciences. Bah, je vais la planifier aussi, hein. Je vais la planifier. Celle-ci, je les défausse, et j'espère tomber sur une belle carte. Science, je sais pas, un truc sympa. Eh ben non. Eh ben non. Je n'ai rien d'intéressant. Un village sous-marin, une usine, un zeppelin. Non, même pas l'énergie. Ah, peut-être l'énergie. Si. Je la prends. Je vais pas la construire, hein. Je la défausse et je récupère une énergie. Je passe après. Et je la pose. Où vais-je la poser? Où vais-je la poser? Sur mon analysis paralysis. Phase de prod, phase finale de production. Ok, matériaux. 2, 4, 6 matériaux. Si je calcule bien, je me récupère un petit jeton financier. Et je prends 6 matériaux. 3 et 2. 6, 2, 4, 6. 7, 8, 8, alors qu'est-ce que je dis 6 moi? Ben non! 8 matériaux! Pouf! Alors 3 sur ma base militaire, 3 sur mon centre de recherche, 1 sur ma petite carte bonus et 1 dans mon empire. Ok, phase de production d'énergie. 1, 2, 3, 3 énergies, je récupère pas de jetons, je fais ma base militaire. Mon centre de recherche et mon animorphe, une espèce de panthère, mécanique, un animorphe. Donc celle-ci est finie, ma base militaire. Ok, production, E+, récupère un jeton militaire. Mon centre de recherche est fini et je produirai 2. J'ai vraiment produit à fond de la science. Mais j'ai pas de carte avec beaucoup de points. Ça m'a. Bon, c'est le jeu, hein, pour Lucette. Mais il y a peut-être des cartes. Pour ça, les cartes science, elles sont moins directes. Au niveau des points de victoire, enfin, on verra. J'ai un peu plus de mal à faire des gros scores avec, je sais pas trop. Phase, la fameuse phase de production de science. Donc, je choisis. Je produis plus que 5, hein. Je choisis mon jeton financier. Et en science, je produis 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9, comme prévu. Non, ça va pas être ça, 9. 3, 3, 6 et 3, 9. C'est pour rigoler. Alors, j'en mets 2 ici. Ils sont pas perdus. Je suis obligé de finir ma technologie inconnue, parce qu'il va me faire énormément de points.
Voilà, il m'en reste 3. Il m'en reste 3. Alors, neurosciences, si je la finis. Neurosciences, si je la finis. Supercalculateur, un point, four. 4 points celle-ci. 4 points. Peut-être faire celle-ci, 4. C'est peut-être celle qui me rapportera le plus de points. Celle-ci, 2. Ouais, 4. Plus que 2. On va pas réfléchir. J'en mets 3 ici. Alors, j'espère finir avec mon. Je sais pas, avec ça, avec les 3. Je verrai, je verrai. Phase de production d'or. 5. Je peux prendre un jeton financier. Je pensais pas en utiliser autant. Je pensais pas en utiliser autant. Je vais en prendre dans la réserve. Alors, 2, 100 et 4. Un peu sorti. Voilà. Or, je choisis un jeton financier. Et or, j'en produis 5. 4. Et un 5. Pouf! Hop, un direct ici. 2. Ici, m'en faut 2. Et j'en mets 2 ici. Ah là 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 là, il va m'en manquer un. Pour faire un cristallium. That's life. Je paye un jeton financier. Et je finis ma tour géante pour 10 points. C'était laborieux, mais j'y suis arrivé. Je crois que j'ai drafté au premier tour. Enfin, ça me fait 10 points. Technologie inconnue, fini. Ce qui me fait aussi mon multiplicateur de points. Peut-être ma chance. Ok, et maintenant, phase de production d'or finie, phase de production de découverte. Et c'est là où l'outil, mon petit Zeppelin, hein, je pensais qu'elle allait me servir à rien du tout, je m'en foutais du bleu. Voilà, et là il devient magique. Il devient que ce petit bleu-là, cette petite découverte, eh ben, me permet de finir cette carte. Mon analyse paralysis. Et déjà, ça me fait 6 points de base, plus multiplié par 3. Je regarde, ça c'est 3 fois, hein. Ouais, je multiplierai par 3, mais. Donc ça fait énormément de points juste grâce à ce petite production. C'est magique, c'est plaisant. Paf, on a l'impression vraiment d'arriver à quelque chose de très fort. Et en bonus, j'ai 3 cristalliums. Et là, ces 3, il faut que je les place de façon intelligente. Genre, intelligemment sur ma greffe bionique. Il m'en reste un. Je sais pas quoi en faire. Ah, il me récupère un jeton financier. Voilà. Tac, tac, greffe bionique, fini. Il me reste un cristallium. Je le mets ici. C'est dommage. À une ressource près, j'aurais pu faire 5, j'aurais mis et j'aurais fini mon anamorphe. Il m'aurait fait une carte de plus. Donc au final, il y a ces 3 cartes-là que je ne suis pas arrivé à finir. Voilà, j'étais un peu trop gourmand, vouloir produire, produire, produire. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, je n'ai pas produit tant que ça. Si j'avais fini ma neuroscience, peut-être. Mais bon, c'est la vie. Voilà, fin du jeu, ces cartes-là ne comptent pas. Fin du jeu, ces cartes-là ne comptent pas, je disais. Et fin du jeu. Décompte des points. Alors, décompte des points, voir si j'ai réussi le scénario. Déjà, j'ai construit les bâtiments nécessaires. Hein, donc, voilà, l'immondisme et le ciel nuageux et tout ça, c'est résolu grâce au bâtiment de mon empire. Et on va faire le décompte. Alors, scénario 2. Alors, les cartes avec des points directs. Des points ici. Donc, j'ai 10 et 6 qui font 16. 20. 20, 20, 21. 22. 22. Pas extraordinaire. J'ai que 22. Ça va être. Alors,
Les bonus multiplicateurs militaires, chars, j'en ai pas. Carte science. Alors, les cartes science. 3 points par carte science. C'est tout. 3 points par carte science. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3 qui font 21. 21 points. Les 40 points, si j'arrive à faire péniblement 70, ça va être un miracle. Multiplicateur, monument. Alors j'ai ça, qui me fait un point par carte monument. Et figurez-vous, j'en ai une, ma tour géante. Et donc ça me fait un point. Formidable. Découverte, bonus découverte, je n'en ai pas. Jetons financiers. C'est vrai que j'avais dit que les jetons financiers allaient me rapporter pas mal. Alors de base c'est un point, mais j'ai cette carte, l'aquaculture, qui me permet d'avoir un point de plus par jeton financier. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 points pour les jetons financiers. Les jetons militaires, j'en ai 2. Je n'ai pas de bonus. Non, ça me fait 2. Ouh, c'est pas formidable, formidable ça, ça fait 43, 44, 44, 50, 60, 62, 62 points. Et voilà comment on échoue lamentablement à une partie de 8 secondes of Hogwarts. Je sais pas, ça arrive, j'ai pas réussi à faire des points, je le sentais, hein. Tout au long de la partie j'ai dit mais j'arrive pas à faire des points, je construisais des usines, mais je sentais bien que j'avais pas la vibe là. J'ai fait de mon mieux avec les cartes que j'avais. J'échoue quand même de 8 points. J'ai peut-être fait des erreurs. Bon, admettons que j'ai fait des erreurs, ça m'a coûté 2 jetons financiers. Fait 4 points, de toute façon, je les ai pas. Même si j'ai fait des erreurs, c'est contre moi. Qui m'ont pénalisé, je peux pas rattraper, le scénario est échoué, c'est un échec. Donc voilà, ce jeu n'est pas si facile, il faut tomber sur les bonnes cartes, malgré le fait que j'ai beaucoup 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 défaussé, repiocher, essayer de tomber sur des... J'ai eu trois fois, je suis tombé aucune carte qui m'intéressait, rien d'extraordinaire, bon voilà, je vais... Donc, en refaire une autre pour essayer de gagner. Voilà. Salut à tous, merci de m'avoir regardé. Et puis, abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Et puis, aussi, les vidéos que je fais avec mon fils, hein, où on joue tous les deux à beaucoup de jeux. N'hésitez pas. Et puis, à vous abonner. Et puis, voilà, regardez les autres vidéos. Salut!